On y va dessus? On y va dessus. On va-tu voir? On y va. Viens, Alex. Allez, va te chercher Julien d'abord. Oh my god, il adore les gros cadeaux! T'as qui ce gros cadeau là? C'est quoi le cadeau rouge, Eliott? Sur moi du Père Noël. Ben sûrement. Eh mon dieu, il est dehors! Oh, lutin! Ben les lutins sont partis. Attends. Hey, quel est le biscuit, Eliott? Ah, il a mangé une bouchée dans chacun. Il a-tu bu du lait? Il a-tu bu le lait, Eliott? Oui. Il y a même plus de lait. Il y avait soif. La carotte, Eliott. Les reins, c'est bien bouffé. Oh. Mais d'habitude, ils, eux, ils restent sur le train, en haut du traîneau. Bon, on s'assitue? Ils ont rempli ça. Elle est belle, hein? Eliott s'en sort un cadeau, moi je sors un cadeau en même temps. Oh, tu peux les vous voir en même temps, parce qu'il y en a d'avoir beaucoup. Attends, je vais essayer. Oh, oui, elle. Oh, wow! Elle est lousse. Elle est lousse. Oui, j'aime beaucoup. Cool. Elle est belle. Puis elle est lousse. Bon. Hey, mais là, on a entendu papa. Elle... Ah, ouais. Mais là, laissez fumer lui, là. Of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Trill the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. Joyeux Noël, on est le 25 décembre, puis on s'est réveillé avec
plein de neige. Fait que c'est vraiment, 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 vraiment un vrai Noël. On s'est réveillé avec les cadeaux du Père Noël en dessous du sapin, hein, Charlie? Ça, c'est le cadeau à Elia que le Père Noël a emmené. C'est comme une petite établie là, avec des outils. Charlie, ben, je vais vous le montrer. Là, ce sera pas dans ma chambre. Hier, ça a veillé jusqu'à minuit et demi à peu près. Les enfants non, ont... Minuit. Fait. Mais non, c'était plus tard que ça. En tout cas, eux autres se sont couchés de presque minuit. Puis ce matin, ils sont levés tôt parce que c'est sûr. C'est excitant. Puis là, on va leur bonne Noël. Ça, c'est une partie de ce qu'il y a dans leur bas. C'est 7h40, c'est pas tôt. Ouais, quand même, on s'était couché tard. C'est ça, ils ont eu des petits trucs comme ça dans leur bonne Noël. Hier, c'était vraiment le fun. On a bien mangé. C'est sûr que ça a été un gros rush là, pour la... Pour le souper, parce qu'il y avait beaucoup de bouffe à faire, beaucoup de monde, faisait chaud. Mais on est bien sortis, puis c'est ça, c'est bon, c'était le fun. Ma bûche, elle a fait fureur. On dirait qu'elle l'a bien pris finalement, j'avais peur qu'elle soit pas assez garnie dans le milieu. Finalement, ça s'est bien tout placé en la laissant reposer. Là. C'est ça. Là, moi ce matin, on n'a pas déjeuné encore, fait qu'Alex est en train de pelleter. Je voulais juste vous montrer les cadeaux qu'on a eus. Ben ça, ma mère, elle nous a emmené ça comme cadeau d'hôtesse, genre... des gagnants à vie, fait qu'on va gratter ça tantôt, hein, Charlie? Après ça, j'ai tout mis dans ma chambre, c'est un peu le bordel, là, mais... Ben, Elia qui a eu sa tour de bille, la réaction qu'il a eu quand il a ouvert ce cadeau-là. Vous avez mis dans ça? Ça, là... Mon affaire de cristaux. Ouais. Ça, il a voulu tellement sa tour de bille-là, puis... Moi, oui. Quand il l'a eu, là, il avait les yeux gros comme des deux gars. Ça, c'est moi qui l'ai demandé. Ah, ouais? Il y a eu lui, que je sais pas c'est qui... Un méchant. Lui. Lui qui fait le un Spider-Man cool. Donne-moi. Oui, tu peux les prendre, Elia. Elia, tu es fatiguée. Veux-tu les donner, s'il te plaît? Après ça, nous, on lui a donné un vrai Spider-Man. Non, c'est comme un Spider-Man, je sais pas trop quoi. Il est pas pareil. Un Superman puis un Batman. Okay. Fait qu'on lui a donné ces bonhommes-là. Fait que là, il est équipé pour pouvoir se battre. Ah, Batman! Ouais. On lui a donné ça à Elliot parce qu'il jouait avec ça à Charlie puis il collait plus. Fait que celui-là. On lui a aussi trouvé une petite batterie comme ça, mais ça va valoir ce que ça vaut là, parce que je pensais juste bien cute. Fait qu'on n'a pas pu hésiter à y acheter. Charlie, elle a eu une doudou pour faire partie du club. Hein? On a toutes des doudous. Ah. Ça, c'est son cadeau du Père Noël. Hein, Charlie, c'est ça? Hein? Ouais. 40 Shopkins comme ça, ouais, qu'elle a hâte d'ouvrir, je pense. Comme ça, bon. 40 Shopkins. Elle a aussi eu un DVD de Shopkins. Pas un DVD. Un film. King Crotte. King Crotte, un livre. Elle a eu aussi un livre de cuisine comme ça. Cuisiner, c'est trop cool. Ça, ce livre, j'ai vraiment hâte de le regarder avec toi, chère. Je sais que tu aimais ça. Ça, j'ai celle-là, le cadeau attendu de cette année, le kit de cristaux. Ça, j'ai ça depuis genre le mois de septembre, je pense, dans mon garde-robe. Ouais. Ouais. Fait qu'on lui a donné ça ce matin. Elliot a eu aussi une trousse de docteur parce que ça aussi, on n'avait plus de choses de docteur pour jouer. Ça faisait longtemps qu'on demandait. Ouais, je vais lui montrer. C'est ça la tour de bille. C'est vraiment hot. D'après moi, Elliot va jouer avec ça là, des heures non, et des heures. C'est ça qui est plus hot. On a aussi trouvé des toutous dinosaures à Elliot comme ça. Cher. Oui, je vais lui montrer. Comme ça. Parce que moi, les enfants, c'est vraiment des tripeux de toutous. Puis. Elliot aime beaucoup les dinosaures. Fait qu'on a trouvé ça. On a sauté dessus. Charlie, elle a eu le tricheur junior. Comme ça. Elle a aussi eu un jeu de société des Shopkins. Dedans, il y a des Shopkins. Comme ça. On sait pas trop c'est quoi le jeu. Faut qu'on regarde les règlements. Ça, c'est les miens. Je vais vous les montrer après. Tu veux-tu ouvrir ta boîte pendant que je continue de montrer les cadeaux? Pourquoi? Ben, je peux pas l'ouvrir, juste une main. Okay. Elle a eu un paquet de Shopkins comme ça. Ça, c'est l'Asie. T'as-tu vu? C'est le paquet de l'Asie, ça. C'est le pays. Elle a eu la suite d'Aurélie Laflamme, parce qu'elle a le premier, puis elle a déjà terminé de le lire. Ouais, quand elle avait cassé avec Nicolas. Ouais. Fait qu'elle a eu le deuxième. Que j'ai mis? Va les mettre sur le comptoir de la cuisine. Tu les montres pas? Oui, je vais les montrer. Elle a eu aussi une valise de Shopkins, comme ça. Avec 48, là. Il y a une quarantaine de Shopkins là-dedans. Attends un petit peu. Je vais vous la montrer comme il faut parce qu'elles sont vraiment beaux. C'est comme des éditions plus rares, je pense. Puis t'en as d'autres cachées en dessous de ça. T'en as caché dans ça. Elles sont vraiment beaux. Sa collection, là, sont vraiment hot. Je les aime beaucoup, là. Fait qu'elle a eu ça. C'est comme une petite valise. Après ça, elle a eu un kit pour faire de la magie. Avec le DVD dedans.
Elia, t'as eu ça. Attends, faut que je me gratte le coin de l'œil. Je l'ai essayé tantôt, maman. Oui, tu vas l'essayer tantôt. Ça, faire de la peinture dans la neige. De même, ça, c'est nous. On a donné ça aux deux enfants. C'est comme plein de choses pour jouer dans la neige. T'as des trucs pour faire des boules de neige. T'as des moules, des spatules. Fait que ça, pis ça, ils vont pouvoir jouer des heures dehors. Charlie, elle a aussi eu un coffre comme ça. C'est un coffre de Shopkins. Fait que dedans, t'as des breloques de Shopkins puis des perles. Fait qu'elle peut se faire des colliers, des bracelets. Puis c'est ça, t'as un petit coffre à bijoux. Puis c'est ça. Puis Elia, t'as aussi eu 8 casse-têtes comme ça de Marvel. Oui. Les à sa Eugénie, à Adèle, puis à Papy Luc, puis Mamie Diane. Tu vas en avoir d'autres chez Mamie Diane. Puis là, pour terminer, parce que j'ai presque plus de place sur ma carte, moi, comme cadeau d'échange, j'ai eu le hachoir comme ça que je voulais vraiment beaucoup pour hacher les légumes. Genre, tu pèses sur le piton, puis ça fait comme 7 coups de lame, là, fait que c'est vraiment hot. Puis je voulais absolument... Charlie, nous... Je voulais absolument avoir le spiraliseur de Starfrit. Je vous en avais parlé. On peut faire plusieurs sortes de légumes, des nouilles de légumes. Mais tu peux faire comme des rubans. Tu peux faire de la salade de choux avec ça. En tout cas. Hey, s'il vous plaît, j'entends rien. Quoi? Faire des boules de neige avec ça? Peut-être. Mais ça, c'est mon cadeau d'échange. Alex, à mon bon Noël, il m'avait mis ça. C'est une chose d'agrumes, là, pour presser des agrumes, des limes ou des citrons, puis tu remplis un petit réservoir ici. Fait que t'as tout le temps du jus de citron ou du jus de lime frais. Fait que c'est pratique pour les salades. Ça, il m'avait acheté ça. Aussi, 2 bouteilles pour que je puisse faire mes vinaigrettes maison, là. C'est moins grave que celle du commerce, mais on peut aussi mettre de l'huile ou du vinaigre. Même ça, on peut mettre des vinaigrettes. Il m'a acheté un bracelet comme ça avec des pierres précieuses que je trouve vraiment beau. Puis j'ai eu ma bouteille en inox que je voulais absolument. C'est pour garder l'eau plus froide, plus longtemps. Puis je la trouve tellement belle. Puis je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Fait que c'est ça. Puis moi, mon cadeau de Noël, il me l'avait déjà fait. Là, d'avance, je m'avais acheté du thé et le calendrier. Fait que c'est ça. Et là, Alex, il y a eu un sac de gym. De même. Il y a eu une autre montre intelligente. Puis c'est ça. C'était ses cadeaux d'échange. Puis il y a eu ce que j'avais acheté pour le bon Noël que je vous avais déjà montré. Fait que c'est ça. Donc là, aujourd'hui, le planning, c'est que... C'est pas trop le bordel, par exemple. Oh, il restait ça. Charlie, elle a eu une boîte aussi remplie de petites gugules, même un collier, des boucles d'oreilles, des bandeaux, une bombe pour le bain, un vernis qui change de couleur. Puis c'est ça. C'est assez. Parce que c'est pas fini, là. C'est genre qu'il y en a encore plein chez ma mère, des cadeaux. Puis au jour de l'an, c'est assez fou. Il y en a eu beaucoup trop. Fait que c'est ça. Là, on va comme finir de tout ramasser les trucs. C'est sûr que les enfants vont vouloir jouer avec leurs jouets. Charlie, elle veut trier ses Shopkins. Elle en a eu comme au-dessus de... Hey, en tout, elle en a eu pas loin de 100 Shopkins, là. Elle en a eu vraiment beaucoup. Fait qu'elle va trier ça. Eliott, il va faire dodo parce qu'il s'est levé ce matin un peu bougonneux, fatigué. Fait que c'est ça aussi. Puis nous, ça va être assez relax. Ça va être une journée pyjama. On va se faire un petit buffet de Noël tantôt. Puis, c'est ça. Là, on va tout serrer nos trucs. Puis, on va juste profiter de la journée puis relaxer un petit peu parce que je suis un petit peu fatiguée ce matin. Fait que là-dessus, je vais vous dire bonne journée. Je vais me faire du café. Je vais faire déjeuner aux enfants. Puis, c'est ça. Joyeux Noël! Bye! Ah. Eliott, il y a eu un coco avec un bébé serpent dedans qu'il faut mettre dans l'eau. Puis là, Eliott, il veut plus qu'on fasse rien d'autre à part regarder le coco dans l'eau. Fait que c'est chaud. C'est long. Hey, Eliott, t'as-tu fini avec ta couche, là? Hier, Eliott a passé toute la journée en petite culotte. Hier soir aussi. Sauf que je pense qu'il a envie de caca. Tu veux le tenir? OK. Manger. Donc là, Charlie et moi, on est en train de préparer le buffet de Noël. Fait qu'est-ce qu'on a fait, Charlie? Ben, en fait, mais... Je te suis. Vas-y. Ben, j'ai coupé des... Des cubes de fromage. Et maman a coupé le brie. Ouais, on a des crevettes aussi hier. J'ai roulé toutes les blancs froids. Ouais. En fait, il y en avait 4.
Ouais, j'allais tout rouler le plateau de viande froide. C'est quoi tu cherches, toi? Tu veux qu'on mange? Ou on va manger? Ouais, tu vas m'aider. J'allais tout rouler ça. Le banc, attends, on va le chercher. Avec mes mains et mis sur la plaque. Dans ta chambre, il y a des petites bouchées. Puis là, on est en train de faire les bâtonnets. Ouais, puis là, Alex est parti chercher les restants d'hier que finalement tout le monde a emmené que, puis que personne va manger. Fait qu'ils ont appelé pour qu'on en voulait. Puis notre dessert, c'est la bûche encore de Noël. Des carreaux, puis du sucre. Des gâteaux fromage. Ouais. Fait que c'est ça. Ouais, ce sera pas long. Fait que c'est ça, dans le fond, on a des bâtonnets de fromage, des bouchées, oignons et fromage, on a deux sortes de fromage, des crevettes, on a des viandes froides, on va avoir des patates, de la dinde, le restant du ragoût de pâte aussi. Qu'est-ce qu'on a aussi? Je sais pas mal ça. Bâtonnets de fromage. Puis c'est ça, pour le temps, on va avoir de la bûche, gâteau fromage, des gâteaux caramel. Puis c'est pas mal ça. La meilleure maman a fait. Oh mon dieu. Puis là, hier, Alex, on a bu ça. Ouh! J'ai droit à un câlin. Puis c'est ça. On a acheté ça hier. Puis on a quasiment passé au travers à la gang. On était plusieurs. Puis il y a un gars dedans. Puis Alex, il l'avait mis dans sa dorium. Puis il dit, je vais regarder voir si c'est encore bonne. Puis elle est encore bonne. C'est drôle. Ah oui. Ça, c'est la belle passe que Charlie, elle a eu des lutins. Ben, j'en avais deux autres. Et du Père Puis du Père Noël. Oui, puis qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Par vrai, tu mets un ballon mignon dans le gâteau là. Hein? T'avais un ballon mignon? Oui, puis un flûte dedans. Puis une flûte? Oui, quoi? Comme Charlie, hein? À l'école. T'étais-tu content? Ça va venir, décourage ou pas. Moi, j'ai toujours un gâteau. Fait que c'est ça, on va préparer le petit souper. Puis. Ah. Ça va être pas mal ça, puis je pense que tu crois pas tard aux autres parce qu'ils sont vraiment fatigués. Moi, j'ai genre 10 heures de montage à faire. Fait que je pense que ce soir, ça va être très, très, très tranquille comme 25. Fait que là-dessus, ben, je me quitte. Attends. Hey, bon appétit! T'es-tu satisfait de ton buffet de Noël, Charlie? C'est toi qui voulais manger ça. C'est correct? C'est la hauteur de tes attentes. Ben, il y avait quand on parle, tu... Et c'est tout ça, les gens. Mais j'avais pas dit Robert. Mais non, mais donc, on mange. Bon appétit! Salut! Il est rendu. Quelle heure? 6h30? La poubelle! Puis, c'est ça, là. Je suis allée l'écoute des ramadans dans ma chambre. Moi, je parle sous le bout de la langue, j'ai un bouton. Puis ouais, c'est ça. Je l'aime bien à parler, je parle vraiment sur le bout de la langue comme ça, mon bouton, c'est fatigant. Ah, ça fait mal. En tout cas, fait que là, j'ai lavé la vaisselle, j'ai lavé mon nouveau hachoir. Tu sais, j'ai vraiment regardé comme les affaires, le mode d'inscription, puis le nombre de fois qu'on pouvait tirer pour donner tel résultat. J'ai tellement hâte de l'essayer pour vrai. J'ai mis de l'eau dans ma bouteille, il rentre une bouteille d'eau. Dedans. Ah! Oh. Mais là, on va ressortir notre Brita en bas, puis ça va être plus économique, justement, de remplir ma bouteille comme ça. Parce que je bois facilement 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour, puis tu sais, je veux vraiment boire ça à tous les jours, là, avec mon nouveau planning. Pour me mettre en forme, je veux vraiment, vraiment, vraiment boire mon 2 litres d'eau par jour. Un dernier. Fait que c'est ça. Fait que là, on va sortir la Brita. Fait que c'est ça. Ah, oh, puis mon spiraliseur de Starfish, je l'ai pas sorti encore. Je vais l'essayer, là. Je vais l'essayer. À bientôt, mais là, aujourd'hui, il est un peu plus large. OK. Ça a été un Noël très, très relax. Mais on a joué avec les jouets des enfants, puis ça, on a profité comme il faut. Ouais. Hey, t'en as pris deux? Oui. Fait que c'est ça pour aujourd'hui. Là, j'ai beaucoup de montage à faire. Je vais essayer de faire le plus que je peux ce soir pour en mettre le plus possible en ligne demain. J'aimerais ça comme mettre même les 3 vlogs si possible. J'aimerais beaucoup ça les mettre en ligne demain. Et je vais me dire à avaler. C'est trop rare. Puis c'est ça, demain on va chez le grand-père Alex. Charlie, elle va faire dodo chez mes parents. Fait que ça va être assez tranquille.
je vloguerai pas demain non plus. Je vais pas vloguer dans les prochains jours, justement, pour pouvoir reprendre mon retard un peu. Puis, c'est ça. Je vais revloguer probablement le 30 pour notre party de Noël chez mes parents. Ouais, je pense que c'est ça. Là, ma grand-mère, mais ma tante, elle vient de m'écrire pour avoir des suggestions de cadeaux que les enfants n'ont pas eu à Noël, qu'ils auraient voulu avoir. Je sais comme plus là, quoi demander. Juste le goût de leur dire qu'ils n'ont eu assez, c'est correct. Parce que là, on en a eu beaucoup hier. Ils vont en avoir autant chez ma mère le 30. Puis ils vont en avoir comme... trois chaque, je pense, le 31. C'est dernier, là. C'est assez, là. Ouais, c'est ça, gros bébé. Puis, ouais, c'est ça. Fait que j'avais quasiment envie de te dire, est-ce qu'on aurait pu nous assez? Tu ris-tu d'Eliott? Oui. Sinon, on va avoir mal au bedon. Parce qu'Eliott, il vole des chocolats de Noël, puis il en prend deux de la shot. Puis là, j'ai dit le dernier, il dit, c'est le dernier, c'est genre mal au bedon. Il dit, je suis pas un gros bébé. Mal au bedon. Puis Eliott est en petite culotte, là, encore toute la journée. Puis on a vu lui en couche tantôt en pensant qu'il ferait dodo. Puis il dit, ah non, mais mes petites culottes. Puis là, on est vraiment sur la bonne voie, là. Fait que je suis vraiment contente. Puis là, c'est ça, Eliott fait rire sa soeur. Mais c'est ça. Oh, puis là, j'étais à la recherche de peaux maçons. Fait que j'appelle comme tout le monde que je connais. Sinon, j'ai pas des peaux maçons de trop. Je vais appeler mon père. Son père, il fait gros le tour des encans, ces places-là. Puis ça arrive souvent qu'il achète ça en batch. Puis moi, je vais les tout laver comme il faut. Ça serait pour tout refaire mon garde-manger. Je veux tout mettre dans des pots de verre, des pots maçons. Puis je vais comme les peinturer les couverts en doré ou en noir, je sais pas, là, dépendamment de ce que j'ai dans le garage comme peinture en spray. Mais c'est pas mal mon projet pour après le jour de l'an, là, ça va être mon gros projet. Parce que je veux vraiment aller au Bug Barn puis aller acheter comme plein d'affaires. Mais souvent, j'ai des farines spéciales au Bug Barn ou des graines, des trucs, des affaires de même pour faire des granola. Puis j'oublie que j'ai des fonds de sac. Puis là, je gaspille. Fait que là, je veux vraiment comme tout mettre dans des pots maçons pour que ce soit plus facile de voir ce que j'ai. Puis tout. En tout cas, fait que c'est ça, là, ce soir, ça va être soirée de montage. J'ai envie de t'abonner sur Pinterest aussi pour me trouver des belles recettes de vinaigrette santé mais dans mes belles petites bouteilles que j'ai eues d'Alex tantôt. Ouais, ça va être vraiment, vraiment, vraiment tranquille. Eliott va aller faire dodo dans pas très, très longtemps, je pense, parce que tantôt, il était assis sur moi sur le divan puis il cognait des clous. Charlie est tranquille, elle écoute la télé. Alex, il est vraiment fatigué. Il s'est couché à 2h du matin hier pour laver le plancher. Fait que c'est ça. Ça va être assez relax. Donc, moi, là-dessus, je vais vous dire bonne soirée. Puis on va se reparler le 30 décembre. Fait que d'ici là, ben, amusez-vous. Parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui ont fait une party de Noël d'ici là. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Fait que... Un dodo. Hein? Un dodo. Tu vas faire dodo bientôt? Oui. Je t'aime. Tu bébé, je t'aime. Fait que c'est ça. Fait qu'on se revoit le 30 décembre. Bye!